1. Penser 1. Associer ce qui vient à 1. Ne pas noter ce qu'on refuse, toutes les évidences du 1. Numéro 1. Devant, c'est le 1. Vouloir être le 1. Penser plutôt l'indéfini article, non pas 1. Livre, mais le. Livre, non pas 1. Nomme, mais je. Homme, je. Tu, il, nous. Homme, 1. Comme dans 1. Jour, non, je m'en sers pas, j'écris à cet instant 1. Indéfini est le multiple comme associé à 1. De Stirner, l'unique et ses propriétés. Les titres de livres comportent rarement l'indique. L'article indéfini, on ne dirait pas une. Recherche du temps perdu, des illusions perdues, mais il y a un. Cœur simple, il y a des titres sans article. Voyage au bout de la nuit ou dans Kafka, l'article toujours défini. Le procès, le château, même si un. Par ici de se défendre du un. Éclaté, un. Pas boule de billard avec numéro un. Pas ses enseignes publicitaires avec chiffres un. Il y a des univers et pas un. Il y a en chaque endroit et chaque temps des mondes et pas un. Tout un, suspect numéro un, tout un, élimine le singulier qu'il nomme un, inaugure l'infini des nombres premiers un, divise tout et nous-mêmes un, ne nous multiplie pas mais nous remet en identité un, qui s'inverse en nu et se décline en une, et le pluriel des uns, des unes n'ajoute rien à celui des autres, un comme un, jour comme un, monde comme un, je comme un, manque comme un, prend comme un, comme un, commune comme un, c'est ourdi à ne plus être soi, se diviser, ne plus avoir non, être reflet, diffracté, éclaté, un, non, je n'aurais jamais écrit sur un si je préférais écrire sur si, sur comme, sur de, sur, mais pas un, une langue, une fuite, une perte, une fin, un, une main, un.